D'abord, bonjour Valentin. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Dorine Bourneton, j'ai 49 ans et je suis pilote. J'ai d'abord été pilote privé malgré un accident d'avion à l'âge de 16 ans qui m'a laissée paraplégique. Mais pour moi, voler, ça a toujours été pour moi la plus grande aventure de l'humanité. Un rêve complètement fou, incroyable, éternel. Et malgré cet accident d'avion, eh bien, j'ai fait le choix de reprendre les commandes d'un avion et de voler, en me disant finalement, beaucoup des pionniers que j'admirais, que ce soit Antoine de Saint-Exupéry, Jean Mermoz, ou encore aussi des femmes pilotes ont eu des accidents et ils se sont tous relevés, ils ont tous repris les commandes d'un avion et ils ont écrit des pages entières de l'histoire de l'aviation. Et moi, je voulais leur ressembler, ils m'ont beaucoup inspirée. Et donc, je suis devenue pilote et puis et je suis aussi devenue donc, la première femme handicapée au monde, pilote de voltige. Regarde comme c'est beau. Vas-y pour... ouais. Waouh. C'est magnifique. Voilà. Et aujourd'hui, face à l'urgence climatique, face au dérèglement climatique, face au bouleversement que nous vivons, j'ai décidé d'arrêter de piloter le week-end pour faire ma part, moi aussi, limiter mon impact sur l'environnement. Je me suis tournée vers un projet qui est de faire un tour du monde dans un dirigeable solaire, sans escale, sans énergie fossile, sans émissions de CO2, en 2026. Aux côtés du pionnier des énergies propres qui est Bertrand Piccard. Et l'objectif, c'est de prouver qu'une autre façon de voyager, de se déplacer, de voler est possible de façon totalement décarbonée. D'accord. Vous avez déjà piloté un dirigeable ? Vous avez déjà essayé ? Alors, des dirigeables, il n'y en a aucun qui vole aujourd'hui. Il n'y a même pas de brevet de dirigeable qui existe. Mais là encore, on va être, on ouvre une nouvelle voie, toujours avec cet esprit pionnier qui, moi, me guide, m'a toujours guidée. Et avec les technologies actuelles, grâce aux innovations, on va réussir à fabriquer et à industrialiser un dirigeable solaire totalement fiable et sécurisé. En fait, ce serait des panneaux solaires sur la partie supérieure. Exactement. Non, pas de batterie lithium. En fait, une pile à combustible qui fabrique de l'hydrogène. Alors le jour, les quatre moteurs électriques sont alimentés par les panneaux photovoltaïques, par l'énergie du soleil. Et la nuit, les moteurs sont alimentés par une pile à combustible qui fabrique de l'hydrogène et qui vient alimenter les moteurs. D'être intéressant. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou internet pour suivre votre aventure ? Alors oui, il va y avoir bien sûr un relais, des articles, un site dédié, et puis sur ma page Instagram, vous pouvez vous abonner bien sûr. Donc c'est oui, c'est Dorine, il y a un tiré, je sais pas pourquoi, Bourneton. Merci. Ça va ?